Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour nous, ça va être simple. Je vais faire quoi? Bah, je vais tout simplement me rendre vers ici. Je crois qu'il y a quelque chose à surveiller dans ce quartier. Je sais pas, je vais appuyer là, un petit point de repère. Comme ça, on débloque rapidement ce qu'on a besoin. Ouais, pardon. T'as tout compris. Faut toujours s'excuser. Bouge plus, bouge plus. T'allais m'écraser, petit con. Ah, mais ils sont violents quand même dans le jeu, je te jure. Hein. Oh là là, c'est qui ça au volant? D'accord, et ça c'était qui ça encore au volant? Donc c'est un mec, hein. Si j'allais dire c'est encore une fille, je te jure j'allais arrêter le let's play. Hein. Genre c'est bon, j'arrête, hein, ça suffit. Hein. Elles arrêtent pas de me taper, me victimiser, j'en ai marre, je te jure. Eh mais c'est pas à côté en fait, hein, finalement ton truc, hein. Mais si, ça va l'être dans pas longtemps, tu vas voir. Regarde. Ah non, c'est pas moi qui a volé ta caisse, hein. Ah non, 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 non. Quelle est votre urgence? On m'a chourave la voiture, monsieur l'agent. Imagine-toi le truc. Monsieur l'agent, on m'a chourave une voiture. Allez, affiche-moi le truc là en question. T'es sûr, c'est là au moins, espèce de clown? Oh, attends. Tiens, Marcus, il va se faire détecter. Restez où vous êtes. Promis. Mais vas-y, c'est quoi ces flics? Ils sont méchants! Mais c'est des salauds! J'ai rien fait! J'avais pas le droit de jouer avec un drone. Tu vois, ce jeu-là, je te dis qu'il est très dangereux. Moi, je m'en fous, je fais une course-poursuite avec les voitures. Avec cette voiture? Allez, viens! Viens avec toute ta brigade là! Envoie-moi le SWAT! Y'a pas de problème, j'ai la voiture la plus blindée du jeu! Tiens, allez, follower, c'est parti! Eh, franchement, j'ai pas une voiture la plus prestigieuse. En plus, elle bombarde! Hein. Là, ils disent non, mais non! Je te jure, elle est rapide comme voiture! Hein. Allez, venez, 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 envoyez-moi tout ce que vous avez. Sinon, je renverse tout le monde, hein, je m'en fous. Oh, en plus, c'est une voiture volante. Nouvelle technologie. Ouais. Petite nature, tu me retrouves. Tu m'en trouveras pas. Je te jure, c'est quoi cette voiture? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, mais toi aussi, t'as une remorque, là, presque, là. Ouais, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, monsieur. Arrêtez de me victimiser. Body fait trembler même dans la terre. Bon, plus sérieusement, je suis venu pour un truc, pour un but bien précis. Je vais vous le montrer. Donc, je devais tout simplement débloquer. Sincèrement, tu veux que je te dise quoi? Bah, je sais plus. Mais bon, fais semblant comme si tu sais. Alors, plus sérieusement. Je crois que c'était le gilet pare-balles, là. Non? Ouais, c'était ça. Ici. Tu vois, c'est juste à côté. Chauffard en approche, poussez-vous. Donc, j'avais vraiment bien fait, finalement. Sauf que c'est les flics qui sont venus m'embêter. Où est le truc là? Mais y'a rien en fait à ton truc body là, attends. Ça se peut que ça soit à côté ou je sais pas. Ah, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord, Watchdog il est un peu particulier en ce moment. Ah, ça se voit, pour moi ça va être de la tour. Ça se voit trop. Tu vas voir, ça va être de la tour. Non, c'est pas là. Bon, laisse tomber, on part en mission. Ouais, mais c'est bizarre que c'est pas là en fait. Hein. Je vais laisser passer ça sans rien dire, espèce de sauveur. Ta famille et ton chien, espèce de connard.
Espèce de sous-merde, comment ils sont en train de s'insulter les petits cons. T'imagines, tu prends une vue comme ça? Non, franchement, laisse tomber, je quitte cette zone, y'a rien. J'appelle la police. Il fait n'importe quoi. Bon, nous, on retourne au QG, hein, sincèrement, je vous cache pas. Alors, le QG... il est juste là. Ouais, parce que ce truc-là, en fait, je l'ai pas encore débloqué, peut-être. Hein. Je dis ça comme ça, mais j'en sais rien, en fait. Hein. Après, j'ai pas envie de passer non plus ma soirée, en fait, à fouiller le truc. Ah, tiens, il y a une mission ici, qu'on devait faire. Combien ça rapporte de followers? Ouais, ça va. Et à l'intérieur du QG, il y a quoi, déjà? Ah, il y a deux autres missions. Ok, bah, écoute, on fait celle-là, d'abord. Suivre. On y va. T'es sûr que tu vas réussir un jour à y aller? Oui. Oh l'enculé! Ah, franchement, c'est pas sympa ce que j'ai fait en fait. J'ai neutralisé le mec et le toutou. Je suis vraiment pas gentil avec eux. T'as vu la voiture la plus silencieuse du monde? Elle a le plus gros footer de merde à l'intérieur. Allez, vas-y, on y va. Qu'est-ce qui me rend ouf? Il y a pas mal de petites missions un peu partout maintenant qui commencent à s'afficher. Donc là, c'est la principale, mais après, il y en a encore des secondaires. Donc nous, on va sortir de toute façon, c'est bien ça. Donc le satellite, voyons voir ce qu'il va nous révéler. J'espère que ça va pas être un truc bien tordu. Le gros dangereux, quoi. Eh, si vous continuez, la prochaine fois, je fais des missions scooter. Hein. Eh, comment il t'insulte dans le jeu, il te victimise, quoi. Bon, c'est où? Eh oui, ça souffle, c'est magique. Hein. Tu veux quoi, toi, le robot? On s'occupe de Tidys, ok? La boîte de robotique? Ouais. Attends, t'as trouvé quelque chose dans les données? Ouais, en fait, on va dire que les impôts, les subventions gouvernementales et les programmes de recherche, tu remarqueras que j'utilise des guillemets, eh ben, ça colle pas. Ils collaborent avec Bloom sur un truc qu'ils appellent le plan de 10 ans, encore des guillemets, qui est censé améliorer la sécurité du CityOS. Mais alors pourquoi déposer des brevets sur la technologie militaire? Parce que le CityOS suit la voie de tous les systèmes de contrôle. Et c'est pour ça que Junior va devoir accomplir une mission. Non, y a pas moyen! Putain, c'est pas à toi de décider! Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il suffit d'entrer dans les bureaux de Tidys pour voler leurs petits secrets? Même le gouvernement achète ses serrures biométriques chez Tidys. C'est ça le niveau de sécurité auquel on s'attaque là. Le lecteur d'empreintes? Facile. On a juste besoin d'une main. Tu peux nous trouver ça, toi, non? Mais alors c'est ça ton plan? Couper la main d'un mec, genre? Quoi? Ça marcherait? Voilà, non. Il y a des moniteurs de rythme cardiaque et des scans infrarouges qui vérifient le débit sanguin. Pas de débit, pas de déverrouillage. Ok. Ben alors, on chope un type, vivant, et on l'oblige à nous ouvrir. Non, le moniteur de rythme cardiaque verra s'il est nerveux. Ok, alors on lui injecte un sédatif pour réduire le rythme cardiaque et mais ensuite... Mais bordel, on avait déjà un plan qui tenait la route. Pas avec lui. Junior, off. Oh. Et toi, écoute. Personne t'a donné le droit de te balader ici comme si t'étais chez toi. C'est mon garage. Mm-hmm. Mon matos. Il veut transformer Junior en bombe. Une bombe à IEM, un cheval de Troie. On vise les bonnes cibles, on grille la base de données, et les portes repassent au code par défaut. Ça a rien de compliqué, merde. Et après, il nous faut juste un code. Mmh. Ça pourrait marcher, mec. Mmh. Une nuit. Une nuit ensemble dans le désert, et c'est ton meilleur pote? Tu sais quoi? Pas de soucis, Marcus. Vas-y, mets-toi de son côté. Je veux pas m'interposer. Hé, hey, grandis un peu, tu veux? Attends, t'as dit quoi? Hé, hey, hé, hey, hé hey. On se calme.
C'est bon, ok? C'est bon. Alors, comment on le fait entrer? Bon, pour commencer, il va falloir qu'on vire toute cette merde. Propagande pleine de sens. Stop. Stop! Arrêtez! Touchez pas à la peinture. Quand un de ces robots tombe en panne, Tidys les récupère dans un dépôt. Oh. C'est comme ça qu'on va le faire entrer. C'est bon, ça. C'est super bon. Et ça, c'est mon range. Ça va, c'est bon. On y va quand tu veux, Marcus. Allez. C'est bon, Junior est en place? Ouais, il est là. Vas-y, écoute. Ouais, il est là. On va se bricoler l'univers en mode MacGyver alors? La police, vite, venez vite. C'est dur à imaginer que tout ça nous fera entrer chez le numéro 1 mondial de la sécurité. Ouais, mais on a aussi le robot à 36 000 $ que t'as volé. Attends, t'es en train de dire que sans moi, ce plan pourrait pas marcher? Non, je dis juste que t'es un petit voleur. De grands chemins. Voilà, de grands chemins. Le banlieue masqué écumant les routes du royaume, à la recherche des plus grandes reliques et des plus... Merde. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais pousser la police. Non mais vas-y, je voulais pousser la police. Oh, le rocher à la con. Oh non. Quel rocher à la con. Il m'a complètement fait... C'est moi qui... Oh non, non, j'y crois pas. C'est moi qui ai tombé. Et je voulais pousser la voiture de police. Ça aurait été trop marrant. Tu la pousses, t'as plus que d'étoiles. Et tu poursuis ta mission. Oh non. Qu'est-ce qu'il fait Body aujourd'hui? Bah, il a envie de se relâcher un peu quand même. Hein. Je vous ai dit, ça va être n'importe quoi comme let's play, je t'avais pas menti. Hein. Et encore, je suis gentil. Non, 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 arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler, c'est fini. Non, pour le véhicule, on se casse de là. Bon, tu montes? Junior est en place? Ouais, il est là. On va se bricoler l'univers en mode MacGyver alors? C'est dur à imaginer que tout ça nous fera entrer chez le numéro 1 mondial de la sécurité. Ouais, mais on a aussi le robot à 36 000 $ que t'as volé. Attends, t'es en train de dire que sans moi, ce plan pourrait pas marcher? Non, je dis juste que t'es un petit voleur. De grands chemins. Voilà, de grands chemins. Le banlieue masqué écumant les routes du royaume, à la recherche des plus grandes reliques. Épée plus 2, home de désintégration. Potion de vitalité, miroir d'emprisonnement, anneau de téléportation. Le banlieue masqué de grands chemins et son compagnon bronzé, le Robin des Blacks. Non mais si je suis le Robin des Blacks, toi tu deviens le Babtou des Bois. Ok, je vais nous bricoler une bombe à IEM de bâtard. Et à mon avis, c'est pas ici que j'aurai du mal à trouver les bonnes pièces. Ouah, mon pote! Y'a de quoi en fabriquer des robots ici. La prochaine fois peut-être. Franchement, tu crois vraiment que je vais me casser la tête? Tu crois vraiment que je vais me casser la tête, moi, dans le jeu? À trouver comment entrer? Ah, merde. Ça merde lourdement, mais... Attends, Body. Putain, mais c'est quoi cette marche arrière bizarre? Attends. Voilà. Ah, il y a un problème de roue, là, attends. Un problème de roue, je te jure. Non, non, c'est moi qui sais pas conduire. C'est autre chose. Attends, il est là, lui. Tu crois qu'il va ouvrir la grille ou pas? Regarde la palette, comment j'ai décollé. Attends. Tu vois, si on va pas finir par rentrer comme il se doit. Attends, parce que... Attends, lui, je vais essayer de l'avoir. Je me dépêche. Voilà, comme ça c'est fait.
On n'en parle plus. Voilà, tu vois. Pourquoi se faire chier à ouvrir des portails si tu peux aller direct comme ça? C'était pas trop ça que je voulais. Ah merde, y'a le robot qui va me faire chier. Ah c'est vrai, ici c'est que la zone du machin là. Attends, 16 mètres, c'est juste à côté. Donc on a que des robots en fait ici qui vont venir nous embêter. Parfait. Ah mais les bodies, il faut quand même la clé, hein. Tête de clown va. T'inquiète pas, on va la voir. Regarde bien. Fais confiance à Bibi, on va la voir. Tant que j'ai de la batterie, je pense que c'est jouable de rester furtif. Hein? Ah, par contre, ça, j'avais pas prévu le coup qu'il y avait des humains. Là, je me suis fait bien un peu niquer parce que là, ils sont vraiment... Attends. Bouge pas. Où est la clé, là? Putain, je suis en dessous de la clé, en plus. Ouais, j'étais vraiment en dessous de la clé, quoi. Ah, la caméra qui m'empêche bien de... Attends, pirater. Non, celle-là, elle donne un autre accès. Pirater. Merde, il monte, fais gaffe. Ouais, ok. T'as un problème ou quoi? T'as que ton bibi bloub là. Mais comment tu veux accéder à la caméra si je peux pas? Attends. Ah, j'ai compris comment on va jouer. On va jouer à la bip bip blue. Je pense que là c'est correct. Bip bip bloop. Ah, ça bouge trop, le sol il est pas droit. Bip bip bloop, t'as raison. Ouais, c'est juste un peu particulier. Elle est où la clé, tu crois? Ah, purée. Ah ouais, ils l'ont mis là-haut, quoi. Là où je suis, pas loin, quoi. Bibi, blou, blou, blou. Mon cul. Oh merde, il y avait un mec qui montait. Il n'y avait pas d'alerte là, qu'est-ce que tu racontes comme connerie là? Je vais le fumer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Bon bah c'est parti, hein. On va essayer de foutre un peu le bordel, ça vous dit ou pas? Ouais. Quelqu'un a trouvé la balance. Règle-lui son compte. Pour l'instant, on est un peu hors d'usage là. Hors de portée, c'est cool. Ils sont très durs à tuer par contre. Ah, je vais faire un de ces chaos monumental ici.
Voilà, on va faire attention. Même si mon PT et mon drone, c'est pas grave. Ils savent pas où je suis. Hein. Du moins pour l'instant. Non, non, non. J'aime pas trop les tablettes. Bon, j'y prends le chariot. Écoute, on va s'amuser un peu. Hein. Bouge pas. Voilà, il est hors d'usage. Ah, je suis un salaud comme on joue là. Oh, je suis en limite en train de partir dans tous les sens. Merci pour l'énergie supplémentaire. J'ai quoi? J'ai un drone là? Ah, j'ai pris le drone. Bah écoute, on va essayer de voir si je peux pas dégoter la clé. Le piratage par exemple. Où est cette putain de clé? Putain, elle est où? Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux y aller en mode un petit peu plus tranquille ou quoi. Ok, cool. Attendez, je m'aimais bien. Bon, là, il y en a un à l'extérieur. Attendez, on va commencer à créer un petit chaos supplémentaire. Ah, j'aime bien ce genre de conneries, moi. Là, il y a quoi, là? Attends, je regarde. Tu ne mourras pas. Il y en a trois à neutraliser, mais il y en a un qui est lourdement armé, par contre. Enfin, j'ai l'impression qu'il m'a pété la gueule, quoi. Bon, bah, on sait ce qu'il nous reste à faire. Hein. Comment tu montes là-haut? Bonne question. Par là. Ah, ok, on passe par là. Comme ça, on essaie tout simplement de prendre tout de suite cette zone rapidement. Oh, j'adore me prendre des vents. Les vitres sont trop bien. Sont trop propres dans le jeu. Balayage du secteur terminé. Tout est en ordre. Merde. Elle prend ça. Ah, il est timide, Marcus, pour piocher les trucs comme ça. Franchement, les robots, il n'y a rien de plus facile. Le fonctionnement de mes systèmes est optimal. Ah, elle dort bien. Et le dernier, celui qu'on avait tout à l'heure.
On peut récupérer la peinture, mais ça, je m'en fiche un peu, quoi. Wrench, l'IEM est prête. Où est Junior? Je l'ai laissé au dépôt, il est prêt. Tu peux t'occuper de la porte? Pas de soucis. Et là, tu meurs comme un con dans le broyeur, t'es comme un... Donc c'est là-bas, attends. Ça va être un endroit où je vais me faire démasquer, tu veux... je vais rien comprendre. Bouge pas. Et c'est chaud, hein. Il va dans tous les côtés, le truc. Merci pour ta batterie, petit con. Bon, la porte, elle est où? Oh, putain, ça tombe dans tous les sens. Je m'en doutais. Tiens, j'appelle mes copains. Ah, c'est... Ah, merde, fallait que je passe par là, en fait. Ok. D'accord. C'est juste pas cramé qu'on a mis un nouveau modèle, quoi. Marcus fait détecter, mais tu fous quoi, moi? Putain, le jeu il est mal foutu par contre. Hein, parce... Oh, vas-y, tu te fais éclater en deux secondes. Mais c'est quoi leur truc? Sérieux, ils ont des soucis, hein? Tu vois, tu peux pas en fait suivre leur scénario. C'était quoi leur truc? Le mec il pose son robot, ok, on a compris, mais après. Là, tu te retapes toute la mission, comment je m'arrache les cheveux? Normalement, non, ça doit mettre au niveau de l'entrepôt, tu vois, c'est ce que je pense. Mais vu qu'ils sont capables quand même de te retaper toute la mission, ça va être sympa de regarder après où on en sera. Ça va, j'ai quand même de la chance. Wrench, l'ouverture de cette... Oui, Junior? Je l'ai laissé au dépôt, il est prêt. Tu peux t'occuper de la porte? Pas de soucis. Voilà. Il va se faire détecter ici, hein. Faut que je dégage. Furtivité mon cul quand même, hein. Vas-y, arrête de traîner, toi, fais tes affaires et vite, on s'en va. Il est en train de bichonner son truc, son robot. N'importe quoi, lui. Tiens, je te prends photo si tu veux. Il est en train de faire des câlins à son robot, non mais... Oh là là. Pendant ce temps, je vais encore me faire détecter, tu vas voir. Tout ça pour ça, quoi. Il aurait pas pu le faire, lui, sérieux? Ok, petit gars. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alors fais-nous rêver. Ok, Junior est prêt à décoller. Prochain arrêt, Tidys. Wrench, il faut qu'on discute. J'ai une idée. Je t'envoie des coordonnées. Ouh, une mission spéciale! Marcus, retrouve-moi devant chez Tidys dès que possible. Près du gros panneau Silicon Valley. C'est toi qui commandes maintenant. Non. Sur ce coup-là, ce sera Marcus. Moi, je vais tout faire pour qu'il puisse entrer. On se voit là-bas, Ray. Elle est pas mal cette voiture. Je vois déjà bien en train de faire des conneries avec ça. Bouge pas, bouge pas. Oh là là, par contre. Comment on a du mal à truc. Attends. Si ça va, j'ai rien dit finalement. Priorité du con, tu connais pas? Ils respectent rien dans le jeu, les gens. Et en arrière, comment on va s'envoler, tu vas voir. Mon cul, tu vas vachement t'envoler. Oh là 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 là. Alors, le jeu, il bug pas, hein? Comment j'ai fait rentrer la caisse? Non, mais c'est quoi? Il y a un arbre carrément qui a poussé à l'intérieur. Oh, j'y crois pas. Faut que j'arrête de faire le con aujourd'hui, je sais pas. Je fais que des conneries sur le jeu, je te jure. Ça y est, body slash. Un peu beaucoup, non?
Allez, vas-y, envoie la chariote. Envoie la... Non, mais tu peux pas monter plus dans ce genre de jeu. Bientôt, on n'aura plus de puissance. Oh là là, le pauvre petit moteur, il est en train de s'abîmer. T'abîmes pas. C'est bon, on peut y aller. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je prends des raccourcis. Des vrais, hein. Tu vois? T'as vu, c'est vrai raccourci. De toute façon, quoi, je savais même pas qu'il fallait passer par là. Voilà, merci. Nous sommes arrivés. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te bats contre Goliath? Plus on arrivera à en démasquer, plus les gens sortiront de chez eux pour tout brûler. Tu serais pas en train de comparer nos followers à une foule de villageois en colère? Ben non, mais... Les gens sont furieux et c'est normal, ils veulent reprendre ce qui leur appartient. Hey, assure-toi juste de leur montrer les vrais monstres. Ok? Bon alors, c'est toi qui vas devoir aller faire joujou avec les robots de chez Tidus. Oh merde, mais quand est-ce que ça a été décidé, ça? On a joué à pierre, papier, dynamite. Eh, mais j'étais même pas là. Non, mais s'il y avait eu égalité, t'aurais gagné. Wrench a sorti papier, moi dynamite. Hein? Attends, c'est quoi dynamite? C'est un truc régional. Vu que techniquement, ça s'annule. Ouais, ok, ça va, je vois. Du coup, j'ai envoyé Wrench dans un des entrepôts de Tidus. Il a la délicate mission de lire le manuel d'instruction. Toi, tu vas entrer par la porte principale, récupérer les numéros de modèle et les lui envoyer pour qu'on puisse avoir les codes. Moi, je serai pas loin. Je serai en train d'examiner des plans et des schémas. Ok, c'est parti. C'est parti. Ah, et bonne chasse. À toi aussi.